Bonjour, mes chers élèves de CE2, troisième année primaire, vous êtes bienvenus. Alors aujourd'hui, on va discuter sur un sujet vraiment très intéressant pour vous. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier préféré, mon cahier de vocabulaire et de communication. D'accord? On va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. N'oubliez pas que mon cahier de vocabulaire et de communication de la part de SIDRAP, CDPL. Je vous présente, mes chers élèves de CO2, le thème l'hôpital. Alors voici une image de l'hôpital. Alors dans cette activité, il suffit de relier chaque mot à ce qu'il représente. D'abord, il faut lire les mots. L'infirmière, le chirurgien, le patient, la salle d'attente, le bloc opératoire, l'ambulance, le brancard, le fauteuil roulant, le bistouri, le stéthoscope. Et on va relier chaque mot à ce qu'il représente. Alors, on va prendre une flèche. On va chercher l'infirmière. La voici. Voilà, la voici, l'infirmière. Le chirurgien. Le voici. Voici le chirurgien. Le patient. Le malade. La salle d'attente. Voici la salle d'attente. Le bloc opératoire. Voilà. L'ambulance. Le brancard. Le fauteuil roulant. Le bistouri, voilà, c'est le petit couteau ici. Et le stéthoscope. Voilà, le stéthoscope. Alors, mes chers élèves, je vous présente cette activité. Coche tous les mots qui ont un rapport avec l'hôpital. Alors, on va lire ensemble une bande, oui, un facteur, une blouse, une radiographie, une opération, une seringue. Un aide-soignant, une cuillère. Alors, où est donc les mots qui ont rapport avec l'hôpital? Alors là, on a ici une blouse. Une radiographie. Une opération. Une seringue. Un aide-soignant. Voilà. Une blouse, une radiographie, une opération, une seringue, un aide-soignant. Alors, ajoute ici trois mots à cette liste. On va ajouter trois mots. Alors, par exemple, opération. Alors, par exemple, ici, chirurgie. Chirurgie.
Par exemple, ici, un autre mot. Une consultation. 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 Voilà. Alors, quel est le synonyme du mot en gras? Coche la bonne réponse. C'est une nouvelle activité, toujours avec vocabulaire et communication. Alors, il faut comprendre que le docteur ausculte le malade. Le docteur ausculte le malade. C'est-à-dire, examine. Examine. Mounia a une blessure à la jambe. Alors, on dit entaille, non. Pommade, douleur. Vaut mieux de mettre douleur. L'infirmière m'a fait une injection de médicaments. Une injection, vous dire quoi une injection? Ce n'est pas une trousse. Ce n'est pas une coupure, mais une piqûre. 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 L'infirmière m'a fait une injection de médicaments, ça veut dire piqûre. Alors on continue. J'ai mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. J'ai mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. J'ai mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. C'est pas encore, on dit pas opération, mais rendu fou. Alors, le docteur ausculte le malade, ça veut dire examine. Monia a une blessure à la jambe, ça veut dire douleur. L'infirmière m'a fait une injection de médicaments, ça veut dire piqûre. J'ai mal été en consultation avec le chirurgien pour son épaule, ça veut dire rendu fou. Voilà, c'est ça la bonne réponse. On a mélangé trois familles de mots, classe les mots en trois colonnes et encadre le radical dans chaque mot. Opérer, chirurgien, chirurgie, soin, opération, opératoire, aide-soignante, chirurgicale et soignée. Alors ici, c'est opérer. Alors, c'est deuxième mot, c'est opération. Opératoire. Alors, opérer, opération, opératoire. Alors, pour le deuxième, c'est chirurgie. Chirurgie. Alors, chirurgien, d'abord, d'accord, chirurgien. Chirurgie. Chirurgical. Chirurgical. Alors, chirurgien, chirurgie, chirurgical, opéra, opération, opéra, opération, opératoire. On continue toujours avec soin maintenant.
Voilà, on aperçoit. Soins, aide-soignante. Soigner. Alors, soin, être soignante, soigner. Coche le sens du mot souligner. Je vois, va subir une opération du genou, c'est-à-dire soin d'un malade par la chirurgie ou addition, soustraction, multiplication et division. Ça n'a rien à voir. On doit choisir soin d'un malade par la chirurgie. La chirurgie. Le docteur demande au patient d'ouvrir la bouche. Le docteur demande au patient d'ouvrir la bouche. Alors le patient qui peut attendre en gardant son calme. Oh. C'est une personne soumise à un examen médical, bien sûr. Il doit faire une radio du poumon. Alors, image où l'on voit l'intérieur du corps ou appareil qui permet d'écouter de la musique ou des émissions sonores. Bien sûr, une image où l'on voit l'intérieur du corps. Alors, vous pouvez recopier, s'il vous plaît, tout ça, les réponses ici, sur votre cahier d'activité. Merci, au revoir.